Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors vous allez voir sur cette vidéo, vous ne verrez que mes petites mains. Je vous montre une petite astuce que j'utilise pour le diamond painting. Quand j'ai des grandes surfaces d'une même couleur, pour aller un peu plus vite, je mets les perles une sur deux, voilà. Et je remplis après ce qui manque. Et c'est une astuce que j'avais vue sur une chaîne américaine, voilà, de diamond painting. Et que donc j'avais essayé et je trouve ça vraiment très bien. Mieux que de le faire avec le stylo de côté où on met 3 ou 6 perles d'un coup. Et là je trouve que bon, j'ai déjà essayé, mais bon. Les perles ne sont pas toujours droites en mettant plusieurs perles d'un coup. Donc je préfère utiliser cette façon là. Donc je mets une perle, une case, j'en fais une, je ne mets pas la perle, je mets une perle, je ne mets pas la perle, voilà. Je cherche mes mots, comme d'habitude, vous savez l'habitude avec moi. Voilà, mais vous verrez sur la vidéo comment je fais. Voilà, donc je voulais vous montrer cette petite astuce. Donc là, je la fais avec le diamond painting que je suis en train de faire, celui que j'avais eu à Victoriason. Donc c'est la petite japonaise. Donc là, j'arrive presque à la fin déjà de ce tableau. Vous verrez à la fin. Donc je vous ai mis 2 photos. Je vous ai mis la photo avant de vous faire l'astuce et une photo où j'en suis arrivée après avoir fait l'astuce. Donc là maintenant il me reste un petit quart du tableau à finir. Donc je vous referai une vidéo pour vous montrer le tableau entièrement fini. Et après, bon, il faudra que je fasse l'encadrement, mais là, bon, il faudra que j'aille chercher un cadre un peu plus tard, mais ça, je vous le montrerai plus tard. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce. Peut-être que vous la connaissez déjà, hein, mais bon, si vous ne la connaissez pas, ben, ça vous permettra d'essayer, et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous la connaissez déjà et si vous l'utilisez, ben, dites-moi aussi ce que vous en pensez, si vous l'utilisez régulièrement. Voilà. Et maintenant, je vous laisse regarder donc là, cette petite vidéo. Et je vous fais déjà des gros bisous. Et parce que vous ne me verrez pas à la fin de la vidéo. Et on se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo. Bientôt. Ce sera sur le thème du coloriage, je pense. Voilà. Alors, à très bientôt. Et je vous laisse regarder. Bon visionnage. Bisous, bisous. À bientôt.
Merci.